Namasté les yogis! Allez, c'est bien, on continue sur ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, un truc super important, comment bien s'asseoir sur une chaise? C'est pas toujours évident et c'est souvent comme ça qu'on se fait mal. D'accord? Alors, on va voir comment faire pour s'asseoir. La plupart du commun des mortels s'assoit au fond de la chaise. Écoute, tu pousses le ventre en avant, tu pousses les viscères en bas. Pas bon du tout. Tu viens décoller, amener les fesses au bord de la chaise. Ton dos, il travaille un petit peu plus. Tu te rappelles la position neutre du bassin. Hop, les deux os des fesses qui poussent dans le sol, dans la chaise ici. Il faut que tu aies un genou qui soit au moins dans l'alignement de ta fesse. Donc, s'il est en dessous, effectivement, tu vas avoir tendance à creuser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends un marchepied. Des petits blocs de yoga. Tu sais que tu vas être dans une posture prolongée assise, soit tu adaptes ta chaise à la bonne hauteur, soit tu adaptes ici en mettant un marchepied sous les pieds. Et comme ça, tes genoux sont bien positionnés. Si ton bassin est un bol rempli d'eau, faire couler l'eau devant, faire couler l'eau derrière et remettre l'eau à plat. Magie ici, tes lombaires te disent merci. Ensuite, au niveau des dorsales, tu enfiles tes petites ailes d'ange, tes petites omoplates ici, hop, dans les poches opposées de pantalon. Tu enfiles le menton, tu repousses le sommet du crâne loin du coccyx et du coup, tu peux bien respirer ici, bien relâcher le ventre dans l'inspiration et expirer de bas en haut avec un engagement du périnée pour commencer en starter cette respiration abdominale. Prends quelques instants ici. Expire, bouche grande ouverte. Tu peux faire une grosse buée ici sur le miroir pour écrire un petit mot au Père Noël. Si t'es pas habitué à le faire, forcément, ça va pas être automatique. Mais si tu le travailles 2 petites minutes, matin, midi et soir, tu vas voir, ça va vite rentrer. Et tes muscles, ils sont faits pour tenir ce dos. Donc, ils vont récupérer très rapidement. Allez, à toi de bouger. Entraîne-toi un petit peu tous les jours. Mets en place une petite routine. Continue de checker ce petit calendrier. Un petit exercice par jour, 2 minutes d'exo par jour. C'est l'idéal. Une petite routine tous les jours, 365 jours par an. Allez, ciao. À demain pour une nouvelle case.